Chère Assemblée, mesdames et messieurs du jury. Toute cause n'a pas à être défendue. Toute cause n'est pas défendable. Oui, le nazisme ne peut pas être défendu. Oui, l'islamisme radical et les autres fanatismes des autres religions n'ont pas, eux non plus, à être défendus. En revanche, ce sont des hommes dont il est question. Ce sont des hommes que l'on défend. Ce sont des vécus, des histoires, des passés, des situations, des contextes. Jamais la justice ne doit être sacrifiée. Jamais, sans quelque raison qu'il soit, parce que tel homme aurait commis tel crime. Parce que justice qui est rendue, c'est justice qui est rendue non pas seulement pour une défense de l'accusé, mais aussi pour les victimes. Parce que, rendez-vous compte que s'il n'y a pas de défense, il n'y a pas de procès. S'il n'y a pas de procès, il n'y a pas de sanction. Savez-vous pourquoi l'avocat, lui, porte-t-il une robe? Je devine ce que certaines pensent. La réponse est non. Il porte une robe pour mettre une distance avec l'homme, la femme qu'il défend, pour séparer leurs convictions personnelles de l'individu qu'ils vont, ce jour-ci, défendre. Ils vont prêter leur voix, faire résonner ces histoires-là, ces personnalités, parce que chacun est singulier. Encore une fois, toute cause n'est pas défendable, ne peut pas être défendue. En revanche, ce dont il est question, c'est bien défendre des hommes, parce que on ne peut pas pêcher le fruit du bonheur sur l'arbre de l'injustice. On ne peut pas avoir une société heureuse sans que l'on ait des procès équitables, sans que justice soit rendue, sans que des personnes aient le droit à cette dignité d'être entendues et le droit de faire entendre leur voix, parce que c'est de cela dont il est question. De gens qui peuvent chercher à s'expliquer, parce que oui, peut-être que l'assassin, peut-être que celui qui vole vous paraît criminel, être un odieux personnage, quelqu'un qu'il faut à tout prix condamner sans procès. Mais lui aussi n'a-t-il pas le droit de s'exprimer, de s'expliquer? Vous-même, n'avez-vous pas commis des fautes, des erreurs? N'est-il pas question aussi de droit à l'erreur, de rédemption? Encore une fois, tout ne peut pas être pardonné, c'est pas ce que je dis là. Ce que je cherche à abattre, à détruire, à anéantir, à mettre fin, à faire disparaître, ce qui, probablement d'ailleurs, est l'une des plus grandes forces de la République française, cette justice dont chacun, chacune peut profiter, qui n'est pas le privilège de quelques-uns, de quelques-unes, mais qui est la promesse républicaine d'égalité devant la justice, que chacun, chacune, a le droit à se faire défendre. C'est ça, aujourd'hui, la promesse de l'égalité républicaine. Retour. Alors, justement, il y a le droit à question, justice est faite. Elliot, si je vous dis que la justice est la forme endimanchée de la vengeance. Je réponds que il y a deux justices pour la vengeance. La première, c'est celle qui consiste à dire œil pour œil, dent pour dent. La justice n'est pas nécessairement vengeance. Elle est cette promesse-là qui permet d'alléger les souffrances sans appliquer l'idée que chaque faute mérite une peine égale à la faute. Souvenez-vous de la lettre d'Émile Zola à Alexandrine Mallet.
Dreyfus est innocent, il y a là une épouvantable erreur judiciaire. Vous préférez un coupable en liberté ou un innocent en prison ? Je préfère être coupable en liberté. Je préfère un coupable en liberté parce que j'accuse celles et ceux qui, dans l'histoire française, ont été emprisonnés alors qu'ils n'avaient rien commis. J'accuse celles et ceux qui ont été tués par la peine de mort alors qu'ils et elles n'avaient rien commis. J'accuse celles et ceux, aujourd'hui, que l'on accuse alors qu'ils sont innocents. C'est bien. Alors je continue puisque vous êtes capable. Faut-il rétablir la peine de mort pour les assassins d'enfants et les terroristes ? Mon nom est une intimidation et je pense que quelqu'un qui est combattant est d'abord quelqu'un de convaincu, et j'emprunte ces termes à Victor Hugo, je suis entièrement contre la peine de mort. Je suis entièrement contre la peine de mort parce que, là encore, pour plusieurs raisons. D'abord, le fait qu'on n'est jamais certain, quand on fait justice, de la sûreté, de la certitude, de l'assurance, de la garantie que ce jugement est le bon. Ensuite, parce qu'il est là aussi question de dignité humaine. C'est une ignominie. Et on ne peut pas dire qu'on rend justice en tuant, en massacrant les individus. Les mettre en prison, c'est déjà, je pense, la plus horrible des peines qui peuvent leur être attribué, et c'est aussi parfois injuste.